On ne demande pas à quelqu'un de changer qui n'a pas demandé de changer. Oh. Deuxième règle en communication, on ne donne pas son avis à quelqu'un qui ne vous l'a jamais demandé. Oh. Donc, règle 1 en communication, on ne demande pas à quelqu'un de changer qui n'a pas demandé à changer. 1. C'est de l'ingérence. Famille, proche ou pas proche, on n'oblige pas cela. Moi, avec mes collaborateurs, mes employés, je suis leur patron, je ne suis pas leur coach. Tu veux changer ? Tu viens dans l'Ouest. Deuxième des choses, je ne donne jamais mon avis à quelqu'un s'il ne me l'a pas demandé. Jamais. Retenez ces deux règles, ça va simplifier votre vie. Et règle numéro 3, vous rentrez chez vous, vous incarnez le changement, mais vous ne parlez pas du changement. Ça veut dire quoi ? Vous n'allez pas commencer à dire à votre famille, tu dois faire ça, et ça, et ça, et ça. Non, vous vous levez et vous allez courir ou faire une marche rapide. Et vous, vous avez changé. Et vous allez voir simplement le changement de votre famille juste parce que vous avez changé votre vie. Parce qu'ils vont vous voir plus heureux, plus heureuse. Et pas dans l'ingérence de leur propre vie. C'est ça le leadership.